Bonjour Philippe Madec. Bonjour. Alors nous sommes ici en Bretagne, au domaine de Tizé, près de Rennes. Qu'est-ce que vous inspire ce lieu? Déjà la paix et une relation à la nature tout à fait sereine. Mais ce lieu est aussi surtout un lieu à la fois de patrimoine et d'avenir. C'est un lieu qui autorise finalement que des expériences et des rencontres se passent autour de l'art, autour de l'établissement humain, autour de la nature. Et c'est pour ça qu'on a souhaité venir ici à l'occasion de cette fête du soleil. Alors vous êtes un des éco-architectes les plus connus en France par votre parcours et vos initiatives. Quel a été le déclencheur ou les déclencheurs qui vous ont orienté vers une démarche plus écologique dans votre métier? En fait, il n'y a pas eu une démarche qui m'a orienté vers une architecture plus écologique. J'ai toujours fait ça. Et d'une certaine manière, ça vient d'une histoire qui est d'abord un héritage breton. Je pense que la Bretagne, et notamment le Finistère Nord d'où je viens, montre la puissance de la relation entre la nature et la culture. Et la qualité du vivre ensemble que les Bretons sont capables de mettre en œuvre. Je suis d'une famille d'ostréiculteurs et donc la nature c'était la marée 2 fois par jour. Et la nature c'était aussi, voilà, les huîtres dont ma famille vivait et vivait avec joie. L'autre partie de ma famille c'était des meuniers. Et donc il y avait d'un côté l'eau de mer, de l'autre côté l'eau douce et chaque fois une relation heureuse avec la nature, mais finalement, dans les années 70, à l'époque où je fais mes études, on voit, enfin 60-70, on voit apparaître les premières maladies sur les huîtres, qui déciment en fait les huîtres-plates en Bretagne. C'est une maladie qui est importée du Japon, qui est liée à des huîtres importées et qui étaient malades de la pollution au Japon. Et donc ce qui me semblait être finalement très solide, très fort, cette capacité que la nature avait de nourrir, d'un seul coup a montré la faiblesse, la fragilité plutôt que la faiblesse de cette nature sous les coups d'une humanité, on va dire, peu regardante. Donc voilà, la Bretagne m'a appris cette force de la relation culture-nature et elle m'a aussi fait comprendre la fragilité de notre relation à la nature. Et par la suite, quand j'ai fait mes études à Paris, je n'ai pas été, parce que dans ces années-là, ça ne se faisait pas vraiment, hein, je n'ai pas été formé à l'architecture écologique, donc c'est dans les années 70. Et à la fin de mes études, j'ai dû trouver finalement des chemins pour parvenir à cette architecture. Et je l'ai trouvé en rencontrant un historien anglo-américain qui s'appelle Kenneth Frampton et qui avait, dans les années 83, théorisé le régionalisme critique, dans lequel il, lui, justement, parlait de ce que les modernes avaient oublié, de la relation culture-nature, de la relation à la topographie, de la relation au soleil, de la relation au climat, et il intégrait d'une certaine manière les bases de ce qui émergeait comme un nouveau domaine de l'architecture qui est le bioclimatisme. Donc voilà, c'est à la fois un héritage et une recherche qui m'a amené un peu loin, mais qui m'a donné les outils pour le faire. Alors justement, quelle est votre conception de l'architecture écologique? Quelles sont pour vous les bases, les notions essentielles qui sont importantes dans cette architecture? Alors déjà, il ne faut pas confondre l'architecture et la construction. Ouais. Ça n'est pas du tout la même chose, hein, la définition que je donne moi de l'architecture, c'est l'architecture est une installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. Et donc c'est d'abord une installation de la vie. L'architecture parle aux vivants, parle à la fois aux humains et aux non-humains, de telle manière que finalement il y ait une situation bien heureuse, née d'une bienveillance dans la façon d'installer cette vie. Et l'installation se fait par une matière. Donc la construction devient un outil de l'architecture, mais n'est pas l'architecture. Donc l'enjeu d'abord, c'est de faire en sorte que l'installation soit heureuse, socialement, individuellement, et que l'aménagement du territoire aussi, finalement, soit lié à ça. Il n'y a pas de limite entre l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Tout ça est le même sujet, et c'est un sujet que j'aime bien entendre sur la notion d'établissement humain. Mon vrai travail, c'est de réfléchir à l'établissement humain à toutes ces échelles, à ne pas opposer le rural et l'urbain, à ne pas opposer l'architecture et l'urbanisme, ni à l'aménagement du territoire. Donc voilà, c'est d'abord une installation de la ville. D'accord. Pensez-vous qu'on puisse remplacer dans tous les projets aujourd'hui qui puissent exister en architecture, en construction plutôt, les matériaux conventionnels comme le béton, l'acier, les lames minérales ou même les isolants pétrochimiques par des matériaux plus vertueux? Aujourd'hui, vous pensez que c'est faisable pour tous ces matériaux? Est-ce qu'on a encore des limites? En fait, il est certain que pour des utilisations de base, on a aujourd'hui tous les matériaux qui permettent de remplacer le béton, l'acier, le PVC et tous les éléments issus de la pétrochimie. On a tout ce qu'il faut. Il y a des usages pour lesquels on a encore besoin de ciment Portland. Je pense que quand on fait des ouvrages immergés, on n'a pas aujourd'hui d'autres solutions plus intéressantes que le béton armé de ciment Portland. Quand on doit protéger des vieux documents, quand on doit protéger des éléments très sensibles, la climatisation est indispensable pour gérer l'hygrométrie, par exemple. Quand on est dans un contexte hospitalier où il faut faire très attention aux conditions sanitaires, la climatisation peut être intéressante. Mais c'est tout. Pour le reste, je pense que l'on est capable de tout faire sans utiliser de béton. Et c'est pas qu'on est capable, c'est qu'il faut le faire. C'est le monde du bâtiment émet 40% des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'ONU qui l'a rendu public en 2018. Vous imaginez, ça fait pas longtemps hein, que finalement l'ONU reconnaît que le monde du bâtiment est un monde qui est passé sous le radar de la crise environnementale beaucoup trop longtemps, et que c'est ce monde-là finalement qui est responsable du dérèglement, parce que 40% pour le bâtiment et la construction, vous ajoutez 20% pour le déplacement, et vous ajoutez le fait que par exemple le sac de ciment émet entre 7 à 9% des émissions de gaz à effet de serre, alors que l'utilisation de l'avion c'est 2%. Et vous vous dites bien qu'il faut savoir où sont nos combats, quoi. Et nos combats sont très clairement pour arrêter d'utiliser du ciment Portland, par exemple, pour utiliser moins de sable, moins d'eau, moins d'acier, comme on le fait dans le béton armé. Donc on sait faire autrement. Aujourd'hui, les techniques arrivent et elles ne sont pas encore toutes développées, mais elles sont vraiment là. Mmh. Et quelles sont les techniques que vous préconisez, vous, aujourd'hui, généralement? Vous avez plutôt des matériaux de prédilection, des techniques de prédilection? Alors, l'éco-construction, ça n'est pas que les matériaux, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est la qualité du bâti, de telle manière à la fois que les gens soient bien physiquement et du point de vue de leur santé et moralement aussi. Donc il y a un vrai travail, notamment sur la lumière, sur l'air, qui demande d'arrêter d'utiliser la climatisation et de faire en sorte que la ventilation naturelle soit utilisée partout. Pour moi, c'est une base, parce que en fait, cette base-là amène à concevoir un plan, à concevoir un projet où, par exemple, pour le logement, vous avez des fenêtres dans les WC, des fenêtres dans les salles de bain, des fenêtres dans les cuisines et dans toutes les autres pièces. Donc voilà, la première chose pour moi, c'est la lumière partout, la lumière naturelle partout, la ventilation naturelle partout et les apports de chaleur gratuits du soleil. On reviendra sur le solaire certainement. On va dire ça, c'est pour réduire la technologie qui tombe la plupart du temps en panne. Donc on est plutôt là dans des logiques de low-tech, hein, de technologie simple et naturelle, plutôt que de high-tech dont la climatisation fait partie. Ensuite, sur les matériaux, moi j'utilise le bois depuis très très longtemps. Tous mes bâtiments publics sont en bois, et en pierre, et en terre. Et avec ces trois matériaux-là, je peux faire tout ce que je veux. On est ici dans un espace qui, d'une certaine manière, le dit, puisque peut-être que vous ne le voyez pas ici, mais moi je vous le vois bien derrière vous, le soubassement est en pierre, l'élévation du mur est en terre, et la charpente est en bois. Je ne refais pas une architecture traditionnelle, je fais une architecture d'aujourd'hui, mais je sais utiliser des matériaux avec des technologies contemporaines, de telle manière que voilà, mes bâtiments aient une empreinte carbone très basse. Et on sait tout, on sait parfaitement le faire. Voilà, on sait parfaitement le faire. D'accord. Dans les projets urbains, au niveau de l'urbanisme, donc, arrivez-vous toujours à appliquer, justement, vous parlez de bioclimatisme tout à l'heure, est-ce que c'est toujours, possible ou est-ce que vous avez des fois des limites et comment vous compensez ces limites? En fait, le bioclimatisme, c'est une posture, c'est pas une technique. Le bioclimatisme, c'est une manière de regarder les enjeux et de faire en sorte que la relation au climat soit intégrée. La relation au climat est chaque fois différente. Vous n'avez jamais deux projets pareils. Donc vous ne pouvez jamais répéter deux fois ce que vous avez fait. Parce que l'orientation du plan est différente, parce que l'alentour est différent, parce que le climat dans lequel vous êtes n'est pas le même au sud qu'au nord, etc., etc. Donc le bioclimatisme, c'est une façon d'entrer dans le projet et d'intégrer tous ces éléments-là. Oui, tous nos projets sont bioclimatiques, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient architecturaux. Par exemple, quand on fait du projet urbain, on recherche toujours la solarisation de nos bâtiments. On s'arrange pour qu'il y ait toujours cet apport gratuit solaire. Donc, vous savez, pour le logement, on dit 2 heures de soleil au 21 décembre. Quand vous avez ça dans tous vos logements, vous êtes sûr que vous arrivez à un niveau passif sans effort de technologie, simplement parce que les apports solaires sont là. Donc oui, nos urbanismes sont bioclimatiques, mais pas que. Nos urbanismes respectent l'environnement, respectent la biodiversité, gèrent l'eau, accueillent l'eau. Enfin, un de nos projets qui a été lauréat de très nombreux prix, hein, qui est l'éco-quartier des Noé à Val-de-Reuil, on a fait en sorte que les crues de l'Eure soient accueillies dans le projet. On n'a pas dit à l'Eure, tu ne viendras pas. On lui dit, tu vas venir, tu vas avoir ta place, et quand tu ne seras plus là, tu vas nous laisser un paysage d'une beauté incroyable. Et de fait, l'eau arrive, est généreuse, elle nourrit complètement le territoire dans lequel cet éco-quartier se développe. Donc voilà, l'enjeu c'est le vivant humain, mais le vivant non humain, et les éléments de la nature. Et les éléments de la nature, ben voilà, c'est l'eau, l'air, le feu, etc. Et tout ça est outil de projet. Alors vous êtes le co-instigateur du manifeste pour une frugalité heureuse et qui a eu un beau succès auprès des architectes français et même d'autres pays. Comment envisagez-vous la suite? Aujourd'hui c'est quasiment un mouvement, c'est plus qu'un manifeste, c'est un mouvement. Oui absolument. En fait donc le manifeste ça fait le manifeste pour la frugalité heureuse et créative, pour l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. On a rajouté créatif parce que changer nos manières de faire après, on va dire, un siècle de gabegie ou en tout cas d'utilisation abusive des ressources, demande d'être un peu créatif quoi, pour se sortir des habitudes malfaisantes qui sont les nôtres. Effectivement, ce manifeste est devenu un mouvement qui est signé par quasiment 13 000 signataires aujourd'hui et tous les jours on en reçoit davantage, avec des groupes locaux, quasiment dans tous les départements, enfin dans toutes les régions de France il y a des groupes locaux, et dans les régions souvent chaque département a un groupe local, voire plusieurs groupes locaux, ça dépend de la taille de l'appartement. Il y a aussi des groupes à l'étranger, il y a un groupe à Taïwan, il y a un groupe au Cambodge, au Vietnam, en Algérie, au Maroc, en Belgique. Enfin, donc il y a en fait un engouement, je ne sais pas si on peut dire engouement, ou en tout cas il y a le fait que de nombreuses personnes qui peut-être se sentaient très seules avant à se battre pour une architecture plus éco-responsable, frugale comme nous disons, ont eu besoin de se rassembler et de réaliser qu'ils étaient nombreux, qu'ils n'étaient pas seuls, mais qu'il y a une sorte de peuple de l'éco-responsabilité qui est là à l'œuvre. Donc dans les 13 000, il y a un quart qui est de la société civile. Donc des gens qui ne sont pas des bâtisseurs, mais qui nous disent que notre posture est bonne et du coup ils nous soutiennent, finalement, ils nous disent oui, et ils nous responsabilisent finalement davantage. Alors c'est effectivement un mouvement, je dois vous dire que parfois il y a des choses qui nous échappent, tellement ça part, tellement ça augmente, tellement finalement on trouve cette notion un peu partout aujourd'hui. Et donc voilà, on n'était pas prêt finalement à être confronté à un tel succès. On y fait face aujourd'hui grâce à nos groupes locaux, parce que la réalité du mouvement, ce n'est pas les 3 signataires, Alain Bornarel, Dominique Dezamula et moi-même. C'est bien le mouvement et tous ces groupes qui a une réalité sur le territoire, qui a une vraie réalité physique une vraie présence, qui est une présence la plupart du temps du partage. En fait, vous savez, dans le milieu des architectes, où on est plutôt dans la concurrence, on est toujours en concours les uns contre les autres, on essaie de trouver le bon maître d'ouvrage. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On est dans le partage, on dit voilà ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, mais ça a marché, donc fais attention à ci ou à ça. Et toi, comment tu l'as fait? Et où sont les ressources locales? Le mouvement a créé en ce moment une cartographie de l'ensemble des ressources naturelles en France, mais pas que en France. Donc, et qui dit ressources, dit à la fois ressources physiques, hein, donc le bois d'où vient-il, la terre d'où vient-elle, la pierre où on peut la trouver, mais aussi les ressources humaines, puisque il ne suffit pas d'avoir de bonnes ressources naturelles, il faut avoir les artisans qui savent les mettre en œuvre. Hein. Et on sait bien que quand il y a une ressource naturelle, il y a toujours un savoir-faire qui l'accompagne, il y a toujours ça. Et même s'ils ont été un peu dépréciés, voire beaucoup dépréciés, au moment où le béton est devenu presque la seule matière hein, utilisée dans l'architecture, ces métiers-là restent, ils sont encore là et il suffit de les raviser pour qu'on fasse une belle architecture contemporaine et frugale, éco-responsable et qui ne blesse pas la planète. Alors justement, comment vous voyez l'avenir de l'habitat demain? Parce qu'on est dans les années 70-80, on est devenu de plus en plus individuel avec les lotissements qui se sont créés un peu partout, avec beaucoup de développement urbain. Mais comment vous voyez l'avenir de l'habitat? Quels sont vos espoirs, quelles sont vos espérances par rapport à ça? Bon, l'avenir de l'habitat n'est pas indépendant de l'avenir du bâtiment tout court. Notre mouvement a posé cette question, faut-il encore construire? Et c'est une question qui résonne beaucoup aujourd'hui, on la retrouve un peu partout où l'on va. En fait, faut-il encore construire? C'est une question qu'il faut se poser à chaque projet. Faut-il construire? J'ai tendance à vous dire que bien sûr, l'Île-de-France et Brasparts, la réponse n'est pas la même. Quoi, hein. Quand vous êtes en Île-de-France, avec, il y a 230 000 logements vides en France. En Île-de-France, ça dépasse les 20 000. Et il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, alors qu'on continue à fabriquer encore des millions de mètres carrés de bureaux. Donc on voit bien que l'objectif de demain, ça n'est pas le neuf, en tout cas dans des circonstances comme celle-là, c'est la réhabilitation. Alors, c'est la réhabilitation pour des raisons simples. Déjà, on va arrêter de construire pour construire, et on va utiliser ce qui est déjà là. Mais aussi parce qu'on n'a pas le temps de faire du neuf, on n'a plus vraiment le temps. Vous savez, chaque année, on construit que 1% d'équivalent du bâti existant. Donc chaque année, on rajoute 1%, et il y a toujours 99%. Quelle est la part éco-responsable dans ce 1%? J'ai tendance à vous dire quasiment rien. Peut-être un autre pourcent. Et donc c'est pas avec ce 0,01% qu'on va sauver la planète, qu'on va réduire nos 40% d'émissions de gaz à effet de serre. On ne peut le faire qu'en réhabilitant le monde déjà là. Et donc la réhabilitation s'impose pour ça. Ça s'impose parce que voilà, on sait que la réhabilitation, on va pouvoir la rendre plus efficace, plus économe, etc., plus saine. Et puis aussi, on sait qu'en réhabilitant, on utilise moins de ressources. Qu'en réhabilitant, on peut le faire plus vite. Et que la réhabilitation, ça coûte moins cher que le neuf. Il y a eu un très gros travail fait par l'ADEME, qui a été rendu public il y a 2 ans, me semble-t-il, où l'ADEME compare très clairement des opérations de démolition-reconstruction à une réhabilitation, et le résultat est très clair. La réhabilitation est plus intéressante à tout point de vue. Et d'ailleurs, Philippe Pelletier, qui est le président de bâtiment durable en France, le dit très clairement. Philippe Pelletier dit les 50 dernières années, c'était la reconstruction de la France et son équipement. Les 50 années à venir, c'est la réhabilitation de tout ça. Et si vous ajoutez aussi le fait que, en fait, les structures en béton ont une durée qui n'est pas du tout celle qu'on disait avant. Avant, on disait solide comme du béton. On sait bien que c'est pas vrai, ça. 60 ans, c'est un cycle pour le béton armé, et on est dans les 60 ans, grosso modo. Et aujourd'hui, il est nécessaire de réhabiliter tout ce qui a été fait. En béton, on le voit bien, la plupart des métropoles françaises ont lancé des programmes pour réhabiliter toutes leurs écoles, d'un coup. parce qu'il fallait le faire, parce que tout était devenu obsolète, parce que les structures étaient abîmées, parce que les équipements n'étaient plus à la hauteur et parce que la vie avait changé. Donc on est dans cette condition-là. Donc on va dire dans les métropoles, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à construire, mais qu'il y a tout à réhabiliter et c'est un sacré boulot. C'est même, à mon avis, l'économie de demain, elle est là, dans la réhabilitation. Donc oui, dans des territoires comme ceux-là, il faut aussi se demander, faut-il construire? Mais il faut aussi autoriser la construction. Qu'est-ce que ça veut dire, faut-il construire dans un bourg, par exemple, comme Brasparts? D'abord, c'est comment réinvestir le logement vacant dans le centre-bourg, s'il y en a. Ensuite, c'est comment réinvestir les bourgs, comment réinvestir les hameaux. Parce que, en fait, pendant longtemps, la posture de l'État était de dire que aménager les hameaux, c'était de l'étalement urbain. Sauf que les hameaux constituent, surtout dans des communes comme celle-là, où il y a une vingtaine ou une trentaine de hameaux, c'est le territoire qui doit être habité. Donc autoriser la réhabilitation des hameaux, c'est non seulement souhaitable, mais c'est aussi très désirable. Parce que la plupart des ce qu'on appelle les néo-ruraux, ils se déplacent avec des projets de vie. Ils ne sont pas juste là parce qu'ils ont besoin d'une maison secondaire, et ils viennent là avec un projet de vie qui souvent est lié à la permaculture. Donc il est nécessaire d'avoir un rapport à la terre, un rapport à la production et un mode de vie parfois urbain qui ramène aussi à cet endroit-là. Donc vous voyez, dans tous les territoires, la question de faut-il construire se pose et il faut se la poser avant toute prise de décision, sachant que, 1, il ne faut plus détruire, 2, il faut toujours réhabiliter ou consolider, et qu'à partir de ça, on change complètement notre rapport à la matière et à l'empreinte carbone. Vous allez un peu dans le sens de Pierre Rabhi, en fait. Quand Pierre Rabhi développe un réseau comme Oasis, Colibri plutôt, avec les Oasis, c'est aussi réhabiliter des éco-hameaux, des anciennes fermes en écolieux. Oui, vous avez tout à fait raison. Les Oasis des écolibris sont des écolieux. Et je pense que ceux qui choisissent d'aller vivre dans ces écolieux ont un vrai choix de vie. C'est un engagement profond qu'ils ont dans cette envie de changer finalement la vie urbaine qu'ils avaient la plupart du temps. Mais il ne faut pas oublier que les lieux existent aussi dans l'urbain. Les lieux, ce n'est pas juste à la campagne, ça n'aurait pas de sens de penser ça. Il y a aussi dans l'urbain des écolieux. Il y a aussi des possibilités de vivre ensemble et de régénérer sa manière de vivre, y compris dans les situations urbaines. À l'heure actuelle, on a même des maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir et qui nous posent cette incroyable question. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore innové en matière d'éco-responsabilité que vous pensez que vous pourriez faire dans notre projet? Ça veut dire que les maîtres d'ouvrage ont aussi changé. C'est-à-dire qu'il y a une envie chez eux, il y a une ambition chez eux. Et du coup, on se retrouve sur ça. Et à cette question-là qui m'a été posée, j'ai répondu, je veux faire un projet sans aucun gramme de ciment Portland. Il y a un vrai boulot. Et j'ai rajouté, j'aimerais faire une voûte en BTC, en briques de terre comprimée. Et on le fait. Donc on n'a pas du tout fini d'inventer, on est constamment en train de le faire. Parce que les conditions aujourd'hui sont idéales pour ça. Je vous ai parlé de briques de terre comprimées, je me trompe souvent. J'ai réalisé à Cornebarrieu, près de Toulouse, le premier mur en BTC, porteur d'un plancher accessible au public dans un bâtiment public. Et ça, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 4-5 ans. Vous voyez, on a encore besoin d'inventer. Par exemple, là, à Paris, on fait des murs en terre coulée. La terre coulée, pour moi, c'est l'avenir de la Banche. Et sans doute le ciment Portland, on va s'en défaire et on va réussir à faire en sorte que la terre coulée remplace tout ça. Ce qu'on est en train de faire donc là avec Amaco à Paris pour la maison des réfugiés et la médiathèque du 19e, c'est de la terre coulée comme on n'en a pas fait auparavant, sans adjuvant, simplement en mettant de l'herbe coupée, enfin pas de l'herbe coupée, de la paille coupée pour faire du lien, et l'armature on l'a fait avec des ganivelles. Et constamment, constamment les choses se renouvellent et cette aventure-là, elle est sans fin. Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite encore une belle carrière. Alors. Je vous remercie. C'est parfait. Je prends vos voeux avec joie.